Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un vaisseau de la collection officielle de vaisseaux Star Trek. Merci le chat. Produit par également. Alors, présentation faite maintenant. Le chat. Oui, alors, le chat que vous entendez, les miaulements là, c'est mon petit chat qui s'appelle Ficelle. Est une femelle. Elle est très joueuse et très râleuse. Un jour, il faudrait que je vous montre une photo. Je crois que normalement, vous devriez avoir une photo d'elle maintenant. Donc voilà, peu importe. Donc, je tiens aussi à m'excuser pour mon absence longue. Cela est dû principalement à l'année de première qui inclut pendant une période de 5 mois des TPE, travaux pratiques encadrés. J'ai déjà expliqué ce que c'était dans une autre vidéo. Enfin voilà, c'est très prenant. Donc si vous, quand vous ferez, faites un sujet que vous aimez. Bon, peu importe. Vous verrez cette vidéo dans très très longtemps normalement. J'ai pas encore posté celle sur l'autre qui est dans la grosse boîte avec le vaisseau de classe Akira. Mais bon, ici donc nous avons la classe Norway. Alors je vous explique. J'ai pu commander un autre vaisseau sur le site. Et j'ai été attiré par ce design que je trouvais. Alors, la première fois que je l'ai vu dans le film Premier Contact, je lui ai dit, il est horrible. En fait, c'est l'un de mes designs préférés. Donc, comme d'habitude, ça s'en va. Et maintenant, on va s'intéresser au magazine. Donc voilà, issue 61. Le prix, comme d'habitude. Norway Class. Alors la qualité de vidéo est bien meilleure parce que je filme avec un appareil photo. Donc type croiseur médium, lancé au 24e siècle. Ah attendez, regardez, non, vous êtes trop tard. Longueur 364,77 mètres. Il est long. Je crois qu'il est, doit être plus long que l'Enterprise original, NTC-701, la série originale. Et vitesse maximale. Distorsion 9.7. 0.1 de plus que l'Enterprise D. Donc voilà, vous voyez, magnifique design. Enfin, je trouve. Avec les nacelles ici. Voilà, la passerelle ici. Le déflecteur qui est assez étrange, je l'avoue. Alors, voilà. Quand la classe Norway crée les costumes pour premier contact. Ça sent le Borg. Et sur écran. Voilà comment on fait ça, on s'en occupera plus tard. Alors vous voyez, il est très plat en fait. J'ai été étonné quand j'ai vu ça. Je sais pas si vous voyez là, parce que je vois avec la caméra, là je vois pas trop. Je vais vous le lire. Croiseur médium, lancé au 24e siècle. Long, ben, on l'a déjà dit. Équipage 190, distorsion 9.7. Armement. 6 émetteurs de phaser type 10. Ok. Et 2 lanceurs de torpilles à photons. Ok. Dans les détails. Les moteurs d'impulsion. Le descenseur, je suppose. Et là, je sais pas trop quoi des détails de la coque. Mais bon, on va voir tout ça en détail. Splendide image. Norway Cross.
Norway. Donc la classe Norway était... Je sais pas ce que ça veut dire, streamlined. Lined, c'est ligné, mais stream. Il y a la classe aussi... Ah oui, il y a la classe Steamrunner aussi que je voudrais bien, sauf que... Elle est tout le temps... Elle est tout le temps... hors de stockage. Du coup, ben, je peux pas pour l'instant. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti l'Enterprise, la version de l'Enterprise, la refonte du film Star Trek sans limite. Je trouve génial. Peut-être que je vais l'avoir aussi. Restez là, ficelle. Donc voilà, voilà. Donc il a participé à la bataille du secteur 001. Pour ceux qui ne savent pas, le secteur 001, c'est un secteur qui un secteur carré qui regroupe différents systèmes, dont le principal est quand même le système solaire. Oh punaise, vous devez rien voir là. Alors voilà. Bon. Donc c'est un type de vaisseau de Starfleet qui est apparu durant durant les années 2370. Donc voilà. Donc sa coque principale ressemble à celle de Voyager. Oui, parce que oui. Sauf que là c'est plutôt une demi-soucoupe qu'autre chose. Hein. Alors, comme vous le voyez ici, en fait, d'après ce que je lis là, la coque d'ingénierie est confondue avec la coque primaire. Et le déflecteur est sur la coque primaire, également. Donc on a les nacelles. Alors d'après ce que je lis, c'est une sorte de style de catamaran avec les... Alors ce qu'ils appellent ça... comment ils appellent ça là? C'est où là? Voilà. Two rectangular beams emerge from the rear. Rear, ça doit être ça peut-être, je sais pas. Ouais. Donc two rectangular beams, en fait, c'est... Il veut parler des rayons, mais de ça en fait. En effet, ça fait dans un catamaran. Un catamaran, c'est un bateau. Je sais plus comment il est exactement. Mais il doit sûrement ressembler à ça. Donc voilà, très joli design. Voilà. Alors, je peux pas tout lire parce que sinon la vidéo durerait 3 heures. Magnifique image. Oui, regarde, attendez. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai oublié, oui. Ça, c'est important. Ah oui. Voilà, donc il a été vu avec la classe Akira. Bonjour Akira, on a déjà fait une vidéo sur toi. D'accord, ok, j'ai compris. Donc l'armada contre le cube Borg dans le secteur 001 de 1973, de la bataille donc du secteur 001, il y avait 30 vaisseaux. D'accord. Et en fait, ils ont construit donc le vaisseau de classe Norway spécialement pour combattre les vaisseaux Borg. Dans le but de causer un maximum de dommages. Parce qu'en fait, parmi justement les nouvelles classes de vaisseaux, il y a donc la classe Saber, qui est vraiment un tout petit vaisseau, la classe Norway, la classe Timonien, la classe Akira. Tous ont été conçus pour combattre le Borg. Et en fait, leur design leur permet justement d'être facilement maniable, parce que quand on reste au Borg, l'atout principal est la maniabilité. Un vaisseau Borg n'est pas maniable du tout. Plus un vaisseau est gros, moins il est maniable. Eux, ils sont petits, donc ils sont très maniables. Par exemple, l'Enterprise D n'est pas facilement maniable, ni le E un peu plus, mais pas non plus énormément. Faut voir le temps qu'il met pour tourner. Ou même sur online, le temps qu'on met pour tourner. Le défiant, lui, il est très maniable. Donc voilà. D'accord, oui, la soucoupe est très similaire à celle du Voyager. Il y a bien moins de fenêtres, ça c'est vrai. Et les reliefs et les couleurs de la coque sont similaires en fait à ceux du Défiant avec le bleu et ceux du Enterprise D avec les formes et tout ça. Magnifique vaisseau je trouve. Voilà. Là, vous voyez pas grand chose, ça c'est vrai. Ah, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai l'ombre en fait. Je suis un peu bête. Donc là on voit une magnifique image de la bataille. Alors, vous m'expliquerez le truc de l'écran là. J'ai pas compris le truc de l'écran. Le principe, mais bon, tant pis. Donc là on voit le vaisseau Borg avec
un vaisseau, là, il est là, vaisseau de classe Norway, un vaisseau de classe Saber, tout petit. Et ils ont tous la particularité dans une nacelle très rapprochée du reste de la soucoupe. Enfin, c'est pas tout à fait des soucoupes. Et là, c'est ce qui vous explique par rapport au système, qu'il y a plusieurs systèmes dans le secteur 01 et pas seulement la Terre, comme beaucoup le croient. Et même moi je jusqu'à peu, je me pensais que voilà, c'était. Donc voilà, donc ça c'est la sphère qui s'en va. On voit, alors ça c'est un vaisseau de classe Team Runner, j'espère que vous voyez bien. Il y a quelque part un vaisseau de classe Norway, mais je ne le vois pas. Fichtre. Ah oui, donc on était de 359. Pour rappeler, donc c'est dans les épisodes Best of the Both Worlds, partie 1 et 2. Partie 2. Si, partie 1 et 2, oui, partie 1 et 2, non, pas rien. De la nouvelle génération. Ça s'appelle le meilleur des deux mondes en français, pardon, j'ai l'habitude de dire en anglais. Et donc il y a une bataille contre un Cuborg. Et ben il y a 39 vaisseaux sur 40 qui ont laissé leur vie. Un seul vaisseau a réussi à s'échapper et je parie que c'est l'un des vaisseaux les plus maniables. Les plus gros sont tous morts. Et donc du coup, ben voilà, ils sont morts. Et il y en a un seul qui a survécu et 11 000 personnes y ont laissé la vie. Donc vous imaginez, si c'était 40 vaisseaux de classe Galaxy, il y aurait eu 40 000 morts. Donc voilà. Redésolé, j'ai dû faire quelque chose de rapide. Alors là, nous avons les spécifications du vaisseau. J'ai accéléré un petit peu le rythme. Donc là, on voit donc les nacelles. La structure de la nacelle, donc émetteur de phaseur, c'est ça, c'est les senseurs, c'est pas plutôt ça, ça on dirait plus, enfin vous me direz votre avis, mais on dirait plus des capsules de sauvetage, comme par exemple sur le E, voilà, c'est oui. La passerelle principale qui est protégée, ah oui ça ils l'ont dit aussi, qu'elle est protégée par ces deux pylônes. Donc on est vraiment dans un esprit de combat, mais bon, pas non plus forcément bien poussé. Dans la navette, impulsion, et le facteur principal qui est très étrange. Ah oui, le concepteur, oui, c'est... Alors, le concepteur donc de la classe Akira, Saber, Steamrunner et Norway, c'est Alex Jager. On l'a déjà rencontré pour la présentation du vaisseau de classe Akira. Oh là 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 là, on va peut-être faire 20 minutes en fait. Donc voilà, donc c'est les costumes Borg. Ah mais moi je les adore. Voilà, magnifique image des costumes Borg, vachement bien fait en plus. Alors, qui c'est qui les a créés? Mademoiselle Deborah Everton. D'accord, donc c'est qui est à l'origine de ces concepts. On va pas tout lire parce que sinon on y est jusqu'à demain, donc parle de voilà de comment ils ont fait les costumes Borg et tout ça. Voilà, magnifique. La reine Borg. Le problème de lumière. Ah oui, ils ont des lumières, c'est vrai. C'est un petit peu comme Data, mais sauf que là ils ont moins. Ah oui, ça doit être, je sais pas, c'est le problème. Alors, le costume de la reine Borg. Le design du costume d'Anborg a été créé pour instaurer une image attirante mais sinistre, ouais, mais avec avec quelque chose d'un peu moins robotique que ces drones. Ouais, très joli maquillage pour Anborg. Les maquillages en fait, c'est quelque chose qui est vraiment vachement réussi, quand même, autant que les effets spéciaux. Alors, toute nouvelle combinaison spatiale, très confortable, et magnifique. Alors, je crois que c'est Picard, on dirait des nouvelles. Alors là, c'est Lily. Là, on apprend son tenue. Elle s'appelle comment? Lily Sloan. Non. Donc voilà, c'est Lily. Alors ça, c'est... D'après ce que j'ai là, c'est la première... version en noir, mais ils ont changé en satin. Ils l'ont dit dans le film, je cite Picard qui dit, je vous vois assez bien en satin.
Évidemment, il le dit pas avec ce ton-là parce que moi j'ai une voix pourrie. Ça va essayer déjà. Alors là, le piqué est vachement bien fait. Donc là, un costume de 1940, d'après ce que je vois. Avec le pistolet qui va avec, mais qu'on ne voit pas dans le film. Oui, ça... Ah, si, on le voit dans le film. Ou pas. Je... Si, si, c'est celui-là, oui, c'est celui-là. Avec la gâchette en cercle. Non, le réservoir à balles en cercle qui cache dans le violon. Pardon, je ne vais pas vous spoiler. Là, c'est Ruby. Alors, Ruby, dites-moi qui c'est dans le livre The Big Goodbye, parce que je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai compris, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, quand j'ai regardé la nouvelle génération, que... Le roman holographique The Big Goodbye, c'était Dixon Hill, et qui s'appelait Dixie, parce que c'était Dixon Hill. C'est Frank Cochrane, et une demoiselle, je ne sais pas qui c'est. Alors, d'après ce qu'ils disent là, c'est... en fait, ils ont été... les costumes ont été créés justement pour mettre en avant leur instinct et leur personnalité. Parce qu'on voit qu'ils sont... Voilà, ils sont pas aussi... Enfin, je sais pas si on est bien vêtus aujourd'hui déjà. Mais bon, ils sont pas autant vêtus que nous parce que... Pour le rappeler, il y a eu la Troisième Guerre mondiale avant, nucléaire. 600 millions de victimes, donc ils doivent faire avec ce qu'ils peuvent. Et là, 10 ans après, donc en 63, je suppose. Je me rappelle plus du tout. Et donc du coup, on est... voilà. Tacocrane. Ah, qui est pas celui du tout qu'on pense. Enfin, vous verrez quand on va finir. Ah, c'est bon. Ça va, peut-être ça fera plus que 20 minutes. Donc là, c'est Dr. Stanway, Akira. Ah, d'ailleurs, ça je savais pas avant, mais en fait, c'est un effet spécial 3D. Et pas une maquette. Je pensais que c'était une maquette, mais en fait, non. Ah oui, alors cet acteur. Alors, ce que je trouve génial dans Star Trek, c'est que la plupart du temps, les acteurs ne jouent jamais une seule fois dans Star Trek. Par exemple, vous prenez l'acteur qui joue Zevon Cochrane, James Cromwell, il a déjà joué dans La Nouvelle Génération. Il a joué le dirigeant d'une planète. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est dans l'épisode... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Mais c'est l'épisode qu'il y avait juste avant... Je ne sais plus non plus. Mais c'est l'épisode qui a juste après le transfuge. Ouais, mais après, je sais plus du tout. Mais bon, tant pis. Donc, voilà, il a joué dans la série originale. Il a joué... Pardonnez-moi, problème de mémoire. Donc du coup, voilà. On voit 10 minutes. Donc voilà, il a joué dans la série originale. Il a été tué par la créature M113. C'est horrible. Alors oui. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un vaisseau de classe Norway avec un vaisseau de classe Galaxy. Je sais pas tout comment j'ai jamais vu la série. J'ai vu des extraits en anglais, mais voilà, c'est tout. Ah oui, alors... vous allez rire. Normalement, pardon, excusez-moi. Tous les vaisseaux de cette bataille, les nouvelles classes, Akira, Saber, Timonium, sont apparus dans d'autres séries, telles que Deep Space Nine, Voyager. Sauf la classe Norway. Et vous savez pour quelle raison? D'après je sais plus qui, je sais plus comment il s'appelle, du tout, ils ne l'ont pas fait parce que le fichier 3D du vaisseau était corrompu. Je sais pas si je dois croire cette excuse ou pas. Le prochain, on ne l'aura pas. Oui, je sais, je suis pas trop de l'ordre. Je passe de 89 à 61, de 1 à 2. Donc voilà, magnifique image. Et donc maintenant, nous allons passer au reste. Et re. Alors, donc voilà, nous voilà ici. J'ai eu juste un petit problème de mise au point, mais bon, tout va bien. Donc on va l'ouvrir. Si j'arrive à sortir. La boîte, on s'en fiche un peu. Hein. Enfin, ça y est, je garde toutes les boîtes. Oui, je sais, je collectionne un petit peu tout et n'importe quoi. Oh, qu'il est beau. Le meilleur pour la fin. Le support. Ben, le vaisseau. Voilà. Oh, il est gros. Oh, punaise. Je crois que j'ai jamais vu un vaisseau aussi gros. On le pose là. J'arrive pas à le sortir. Si, c'est bon.
On le mettra sur ce fort après. J'arrive pas. Oups. Oui, je suis un gros boulet. Et ça, vous le saviez. Ah! Sors de ce support. Oui, une personne plus intelligente aurait sûrement pris un ciseau, mais comme je ne suis pas très intelligent, je n'avais pas pris le ciseau. Et tout va bien, le support est intact. On met ceci comme ça, je suppose. Ça me paraît logique. Et ça, on s'en va. Maintenant, on va voir ceci. Alors là, vous aurez une bien meilleure qualité. Alors là, d'après ce que je touche, c'est du métal. Là aussi. Là aussi. Et là, plastique. En fait, là, pour vous dire, je crois que 80% du vaisseau est en métal. C'est une première. Non, c'est pas une première. Il y avait aussi pour le J, c'était un peu pareil. Alors, voyons voir. Déjà, comme ça, c'est du là. Waouh. Déjà, on peut dire qu'il y a des détails. Hein. Pardon, excusez mon langage. Magnifique. Ah, ils ont fait l'impulsion. Parce que ça arrive que des fois, l'impulsion, elle soit un peu zappée. Alors, le déflecteur... Ah, ouais. Très détaillé. La peinture, nickel. Alors, ça, je sais pas si c'est censé ou les modules de sauvetage. En tout cas, c'est très bien peint. Alors, les fenêtres, eh ben, elles sont toutes alignées comme il faut, d'après ce que je vois. Ça arrive que, voilà. Alors là, on a, pour les nacelles, voilà, vous le voyez de manière magnifique, on a donc des pièces transparentes. C'est sublime. Ah oui, je vous ai pas dit quand même le nom du vaisseau. J'ai oublié. USS Budapest, NCC 64 000, je ne vais pas dire, 923. Ah, c'est magnifique, hein, il n'y a pas à dire. Voyons voir. Oh, les hangars. Ah, oh, punaise, ils sont détaillés. L'impulsion, ah ouais, magnifique. Le dessous. Voilà. Tout va bien. Waouh. Ah, mais je trouve splendide, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique et même très gros. Oh, il est beau. Ascenseur. Franchement, il y a vraiment beaucoup de détails. L'aérodynamisme y est, tous les détails y sont. Franchement, je dois dire que je suis extrêmement satisfait de cette maquette. Franchement, elle est magnifique. Par contre, je viens de remarquer une chose, mais c'est l'un des rares vaisseaux de Starfleet où il n'y a pas le nom écrit ici, à l'avant. Je sais plus pour quel type de vaisseau il y a aussi cette particularité, mais c'est pas souvent qu'on voit ça. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il est magnifique. Maintenant, on va l'accrocher en direct sur le support. Alors là, ça va être une autre affaire. Ah! Ah oui, mais c'est ce que je disais, c'est une autre affaire. Si le support s'en va, à peine je touche... Alors là, c'est très spécial, il faut que l'accrocher comme ça. Wow, j'ai pas confiance, moi. Mais bon. Donc, voici l'USS Budapest de classe Norway. Voilà, je trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Et oui, c'est la fin de cette vidéo. Mais, oh, pardon. Il y avait mon pied. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu si vous avez aimé, rien si vous n'avez pas aimé. Pas gentil, mais pouce rouge. Dites-moi si les choses que j'ai améliorées. Et si vous m'engueulez parce que j'ai été très long, vous pouvez. Vous avez tout à fait raison. En plus que j'ai plein de créations, dont un vaisseau Klingon, et pour être franc, je ne l'ai pas encore fini. J'ai commencé, mais j'ai pas encore fini du tout. Donc voilà. Et puis j'ai un autre projet personnel. Ah oui, petite chose aussi que, alors j'ai quand même oublié parce que je vous ai posté une vidéo de Noël en retard et je ne vous ai pas posté de vidéo pour le nouvel an. Donc permettez-moi de vous rattraper. De toute façon, j'ai tout le mois pour vous souhaiter une excellente
année 2018. Tous mes meilleurs vœux à tout le monde pour et plein de réussite tout ça. En fait, j'ai fait une vidéo, mais elle a foiré. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu le courage de la poster. Puis j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.